ça, Bird Island, c'est une grande réserve ornithologique d'albatros et on y trouve notamment des albatros fuligineux, ces albatros qui nidifient dans cette île. Et ce sont des albatros absolument magnifiques. C'était en 91-92. Voilà, hiver 91-92. Donc vous aviez fait quoi à l'époque avec Antarctica donc, hein? À l'époque avec Antarctica, on était parti de. En fait, le voyage lui-même a commencé à la péninsule Valdés, en Argentine. On faisait des sujets. On a fait 56-13 minutes pour Thalassa, pour FR3. Le premier sujet, c'était sur les baleines en péninsule Valdés, sur les baleines franches australes. Et après ça, on est descendu de Valdés, on est allé aux Falklands. Des Falklands, on est allé à Punta Arenas, en Patagonie. Après de là, on est allé en Géorgie du Sud, aux Orcades du Sud, en péninsule Antarctique, retour en Patagonie. Et pour certains, le voyage s'est arrêté là. Et après, le bateau a traversé jusqu'à Cape Town pour faire un sujet sur Tristan da Cunha. Voilà. Il y a une espèce de famille qui se crée autour de ce bateau. Alors, est-ce que c'est le bateau, sa taille, sa convivialité avec ce grand carré et ce cocon où on est à l'intérieur? C'est sûrement ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, pour ces trois semaines que je passe à bord, là, voilà, c'est très sympathique, c'est fluide entre les gens, entre les scientifiques, les marins. Il y a une espèce de bonne humeur, d'empathie qui se passe entre les gens et c'est vraiment très agréable. Ouais. Et ça, dès le départ, c'était ça. Ce bateau a le pouvoir un peu d'unir les gens, quoi, les emmener ailleurs ensemble. Quoi. Bah oui, bah c'est d'ailleurs amusant parce que moi, j'ai quand même fait pas mal de bateaux différents dans ma carrière de marin. Et c'est vraiment le seul bateau où les gens avec qui j'ai navigué il y a plus de 20 ans sont toujours des amis que je revois régulièrement, au moins une fois par an.